Le tour de France Photo, c'est d'abord ça. Jouer les Marilyn sous le regard des photographes. Tu te sens un peu star aujourd'hui? Un peu. Et pour jouer le jeu, il faut s'y croire, se prendre pour une star. Le reste, c'est le boulot d'Eric, saisir la bonne pose. Elle est super celle-là. C'est un bon modèle? C'est une excellente modèle, j'ai de la chance. Elle est obéissante, elle m'embête pas trop, donc c'est parfait. En fait, dans la vie, il est ingénieur, mais la photo est sa deuxième nature. Alors quand il a entendu parler du Tour de France qui organise des séances photos dans des lieux choisis pour leur prestige ou leur originalité, il a plongé. C'est sympa, là. On a rarement l'occasion d'aller faire des photos dans des lieux comme au Tour de France. Tour de France photo, il y a eu le palais du facteur cheval, il y a eu un château sur Grasse hier, il y a la forêt Brocéliande, il y a ici aujourd'hui. Donc c'est des endroits où souvent, normalement, on n'a pas le droit de faire des photos. Donc ça donne vraiment l'occasion d'aller faire des photos qu'on ne peut pas faire habituellement. C'est un plaisir? Ah oui, c'est une passion surtout. C'est vrai? Ouais. C'est-à-dire? C'est un vrai plaisir de partager un moment avec des photographes, des maquilleurs, des coiffeurs, les stylistes. Pas de pro dans la piscine, des modèles d'un jour comme ces poloïstes. La plupart des photographes sont aussi amateurs, mais certains sont déjà dans le métier. On peut découvrir de nouveaux sports. On a découvert ce matin la séance synchronisée et là le water polo. Et du coup, ça nous permet d'avoir une approche différente, surtout pour moi qui généralement fait plus de la mode. Donc là, ça me permet de faire un reportage et de gérer encore un peu mieux notre lumière naturelle. Ce week-end, le tour sera en Bretagne. Nouveau modèle, nouveau photographe et un lieu magique, la forêt de Brocéliande. À l'issue de l'édition, les meilleurs clichés seront publiés dans un ouvrage assurément très star.